Salutations, mère. Salutations à toi aussi, mon enfant. Que la paix soit avec toi. Tu construis une autre hutte? Oui, mère. Celle-ci est devenue vieille. Je dois en construire une autre. Ça, c'est l'une des choses que j'apprécie chez toi. Tu connais bien tes responsabilités. Je n'ai pas de choix, mère. Je suis la seule à pourvoir à tous mes besoins. Je peux voir que tu as beaucoup appris de toi-même. Merci, mère. Et j'ai l'impression que plus tu apprends, plus tu deviens intelligente. Oui, mère. Plus j'expérimente les choses, plus je comprends combien l'apprentissage est important. Tu as raison. La vie est question d'apprentissage. Tu m'as fixé le regard, mère. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Je n'ai rien à dire. Tu gardes tellement les choses pour me laisser deviner. Pourquoi tu ne partages pas le pays de ta connaissance, s'il te plaît? D'accord. Je te le dirai. Il était une fois, il y avait une toute petite fille. Elle cherchait toujours à savoir ce qui avait tué son père. Et la chose qui avait ôté la vie de son père l'avait aussi tuée. Ma fille, continue avec ton travail. Merci, mon mari. De rien, chérie. Alors, dis-moi, mon amour, quels sont donc ces comportements
que le cœur de la plus jolie et charmante princesse attend plus de moi. Bien. Mon plus profond désir est que tu sois un meilleur mari du monde. Bien sûr, je le serai. Les plantes étaient toutes vertes et très belles. J'étais à la ferme, regardant les plantes. Et subitement, j'ai vu un arbre géant. Il était tellement énorme que j'étais bouleversé. J'y suis resté un bon moment, en train d'observer l'arbre. Père, as-tu une idée de ce que cela signifie? Mon fils, voit des plantes vertes dans le champ dans son rêve veut dire un lent et progressif développement dans sa vie. Ça peut dire que ta vie aspire au développement personnel et l'épanouissement personnel. Et si tu es dans le champ, arrosant la plante, ça veut dire que ton travail acharné prendra quelque temps avant d'atteindre son plein potentiel. Et que pouvons-nous dire pour l'arbre géant? Tu vois un arbre gigantesque dans un rêve veut dire la stabilité et la durabilité. Tu vois, ça fait beaucoup de mois que notre communauté a souffert d'un grand bouleversement. Beaucoup de choses mystérieuses se sont passées, tellement que même le prêtre n'arrive pas à expliquer. Tu vois, mon fils, toutes ces choses que tu vois dans tes rêves peuvent être celles auxquelles ton cœur aspire. Mais tu ne le sais pas. Un grand avenir s'ouvre à toi, mon fils. Ne prends pas tes rêves à la légère, mon fils. Tu m'as entendu? Ne laisse pas tes rêves inachevés. Après plusieurs années de problèmes, mais surtout des tristesses, Dieu a donc décidé de nous bénir en nous donnant un enfant. J'ai vraiment une très forte joie. Et je crois que je suis l'homme le plus heureux sur la terre. Car finalement, nous aurons maintenant un fils qui prendra en charge le véritable héritage de cette grande famille. Ton père est très rapide. Il doit te préparer à devenir le prochain roi. Ah, mon amour, tu parles d'être préparé? Je n'ai pas besoin d'être préparé. Les dieux m'ont déjà préparé pour ma plus grande destinée. Tout ce qui reste, c'est donc la réalisation des promesses qui m'a été faites par les dieux. Je me sens grande. Bien sûr, mon amour. Tu dois t'en réjouir. Et en plus, c'est toi qui as été choisi pour certifier ma destinée. Ce qui veut dire que tu es une partie de moi. N'est-ce pas vrai, mon amour?
peut-être. Salut, mère. Je te salue, ma fille. C'est très gros. Merci, mère. Au fait, je l'ai accueilli il n'y a pas longtemps. Je l'ai aperçu quand j'étais sur un arbre. Tu étais sur un arbre? Oui, mère. Et tu as pu faire la chasse? C'est impressionnant. Merci, mère. Cela veut dire que tu auras de la bonne nourriture oui, aujourd'hui. Oui, mère. Et j'espère que tu vas me rejoindre. Si cela te fera plaisir. Bien sûr que oui. Ça me plaît, mère. Ça, c'est tout ce que j'ai voulu. Que tu fasses partie de ma vie. Mais c'est très évident que tu ne veux pas de ça. Tu viens toujours me voir. Et pour partir après. Vas-y doucement. Respire doucement. Pousse. Pousse. Encore. Pousse. Encore. Encore. Respire. Pousse. Pousse. Oh. Oh. C'est juste ça. Mais qu'est-ce que je vois? Un sacrilège vient de se faire. C'est quoi le problème? La femme du prince a juste accouché d'un pot de sang. Cours, va leur informer de la situation actuelle. Mon prince, tu deviendras très bientôt un père. Et je veux devenir grand-mère. Et moi, je serai grand-père, bien sûr. Je serai trop fier de porter mon bébé. Ah, ça, je sais. Et je suis sûr que c'est un garçon. Sûrement. Bonjour, mon roi. Oui. Bonjour, ma reine. Bonjour, mon prince. Votre femme vient d'accoucher. Oh, c'est bien. Je l'avais dit. J'essaie de me parler actuellement. Que Dieu soit loué. Oh, oui. Mon prince, malheureusement, elle n'a donné naissance qu'à un pot de sang. Quoi? Quoi? Pot de sang? Pot de sang? Qu'est-ce que tu es en train de raconter, franchement? Qu'est-ce que tu veux dire par accoucher un pot de sang? Mon prince, venez le voir par vous-même. Mon roi, allons-y. Quoi? Non! 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 Je n'ai jamais vu telle chose. Ah. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Le Dieu de notre terre. Qu'est-ce qui nous arrive? Donc c'est vrai. Donc, c'est vrai que ma femme a accouché un pot de sang. Oh Dieu de ma terre! Qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Ça fait presque 7 ans. 7 ans que j'attendais cela. D'entendre le cri de mon propre enfant. Et maintenant, c'est impossible. Impossible de porter mon bébé. Pourquoi tu as permis que tout ça m'arrive, cette humiliation? Pourquoi est-ce que ma femme a donné naissance à un pot de sang? Dieu de ma terre, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour mériter cette sorte de punition? Pourquoi moi? Pourquoi tout ceci m'arrive?
Ah, je te salue. Bonjour à toi aussi, mon frère. Comment ça va? Et la famille? Rien ne va, mon frère. Rien ne va. Rien. Pas du tout. Est-ce que tu as appris ce qui s'est passé sur notre terre? Mon frère, je ne cesse de m'inquiéter. Et ça, c'est vraiment étrange. C'est la première fois que ceci arrive. Est-ce que ça veut dire que le sol de notre terre perd sa fertilité? Le sol de notre terre perd sa fertilité. Cela veut dire que notre terre sera bientôt frappée par la famine. S'il te plaît, ne dis plus ça. S'il te plaît. Mon frère, plus rien ne marche dans notre terre. Je t'ai dit. Es-tu au courant de ce qui est arrivé à la femme du prince? Oh, ça encore. Tu as appris qu'elle a donné naissance à un pot de sang. Et que penses-tu de ça? Une femme qui donne naissance à un pot de sang, c'est une abomination. Laisse-moi te dire, c'est un mauvais signe. Ah, mon frère. Plus rien ne marche dans notre terre. Je t'ai dit, donc je suis confus. Ah. Et je crois que les dieux de notre terre nous donneront la c'est paix. C'est ça ma prière, c'est ça ma prière. Ah. Bon, tu peux voir, il y a la pluie, il faut que je parte déjà. Dieu. Avant ok, que... mon frère, au revoir alors. Tu salues la famille de ma part. Pas de problème, mon frère. Ça, c'est une abomination. Que faites-vous ici? Nous ne faisons rien du tout. Qui est avec toi? Pourquoi ton visage est comme ça? Je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Que s'est-il passé? Dieu, je ne sais même pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer. La princesse a accouché d'un pot de sang. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle toi le sache. Qu'est-ce que tu dois crier, hein? C'est une abomination. Comment ça? Comment est-ce que ça peut être possible, mais ce genre de choses? Comment cela est-il arrivé? Je ne sais pas. Mais comment cela est-il possible? Un pot de sang, je vous jure. Comment a-t-elle pu accoucher cette chose? Hein? Ceci est vraiment une tragédie. Mais quelle en est la cause? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est ça même la question à se poser. Les anciens du royaume d'Amézé, une fois encore, vous êtes les bienvenus au sanctuaire de Dumeje et Ogbala. Le sage, s'il te plaît, sage, parle-nous, dis-nous quelque chose, s'il te plaît. Asengbayoko. Oh non. Il y a un problème sur la terre. Le royaume d'Amézé est sur le point de faire face à une grande calamité. C'est ce que les dieux ont dit? C'est ce qu'ils ont dit? J'ai consulté Odumeje et Ogbala. Et ils ont révélé une grosse obscurité sur une terre désertée. Grosse obscurité? Sur une terre désertée? Non, c'est pas une bonne chose. Hein? C'est exactement ce que j'essaie de dire, Odogu. Exactement. Il y a des problèmes qui arrivent. Et que devons-nous faire maintenant? Est-ce que notre terre a besoin d'une sorte de purification? Est-ce que les dieux n'ont pas parlé de quelque chose comme le sacrifice ou la libation ou quelque chose comme ça? C'est quoi? Rien. Les dieux n'ont rien révélé. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça, le sage. On doit faire quelque chose pour mettre fin à tout ça.
Regardez juste autour de notre royaume. Nos terres agricoles sont en train de mourir. La grande rivière de Bana, qui soutient notre peuple, est en train de sécher de manière effrayante. Regardez le palais royal. La femme de notre prochain roi a donné naissance à un pot de sang, ce qui n'est pas bon. Et nous savons tous ce que cela signifie. S'il te plaît, le sage. Mes anciens de bon cœur du royaume d'Amézé, je vous ai entendu. Je vais continuer à essayer. Ozobiwe ne va jamais baisser les bras. Je crois que les dieux diront quelque chose très bientôt. Mais si ce malheur que je vois finalement arrivait à cette terre, alors le royaume d'Amézé souffrirait d'une épreuve aux proportions incommensurables. Mère, c'était donc toi. Tu es une femme intrépide. Il m'a toujours dit de ne jamais faire face à l'adversité, plutôt de me déplacer et de toujours progresser. Va à la maison te reposer. Tu as assez vu aujourd'hui. Va. Ikena, mon fils. Oui, père. Notre terre est sur le point de traverser une grande épreuve. Un grand arbre tombé dans le rêve veut dire la mort d'une personne très importante sur notre terre est imminente. Mais qui peut être cette personne importante, père? Je ne sais pas. Il y a des personnes importantes sur notre terre. Donc tu dois tout faire pour t'apprêter pour le pire.
mon roi. C'est quoi cette histoire? Papa? 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 Non! Papa! Papa! Non! Aidez-moi! Oh, Aïlélé, ça va aller. Essayez de te calmer. Ça va aller. Vous devez être ça forte. Ça c'est fini, pourquoi? Désolée, ça va aller. Ça fait mal. Les dieux, mais ressaisissez-vous. Les enfants ont besoin de vous. S'il vous plaît. C'est ça, elle dit la vérité. De notre temps, vous devez vous ressaisir. Ressaisissez-vous. C'est ça, ça va aller. Ressaisissez-vous. Pardon. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Ma reine, je vous en prie. Ne pleurez pas, vous plaît. Ça va bien, du mal. Ça va aller. Non. Vous devez être forte, vous pensez. Les dieux prendront soin de vous. Ça ira. Ne vous faites pas du mal. Vous allez vous faire du mal comme ça. Les dieux sont loin, il est déjà parti. Mais vous êtes encore là. Vous devez avoir une manière de pleurer. Mon mari est parti. Vous causez encore beaucoup de troubles. S'il vous plaît, essayez de vous calmer un peu. Nous sommes très désolés. Oui, parlez votre roi. C'est ça. Essayez de vous calmer. Non. C'est la vie. Désolée. Oui, ma reine. Ça ira. Vous êtes une femme forte. Nico. Ozugo. Ozugo. Il n'y a que notre roi n'est plus. Tout le royaume a besoin de vous. S'il vous plaît. Calmez-vous. Ok, maou, adago. Ok, j'ai fini là, fouda. Il est amazé. Vraiment, le grand homme n'est plus. Pourquoi est-ce que les dieux ont remercié mon père de cette façon? Courage, mon prince. Car personne ne met en question la décision des dieux. Mon père était roi. Quelle est cette bête qui a visité mon père? Qu'est-ce que mon père a bien pu faire pour mourir de cette façon? Qu'a-t-il fait de mauvais? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mon prince. Mais la vérité est que les abeilles de la mort visitent quiconque elles veulent visiter n'importe quand. On ne peut pas les questionner. Nous devons l'accepter comme justice. Notre espoir et notre prière est que la famille royale accepte nos condoléances. Toutefois, Ayadia Hapnomenala,
Mais où menez-vous? Oh, comme... La tradition doit être respectée. Et c'est la règle fondamentale dans le royaume d'Amézé. Que quand quelqu'un est frappé à mort par les abeilles de la mort, une telle personne, homme ou femme, ne sera pas enterrée dans le royaume d'Amézé. Alors, j'ai autorisé les parties prenantes de déplacer le corps de notre feu roi, ton père, à la montagne des interdits. Ce voyage commence tout de suite. Alors, les anciens du royaume d'Amézé, levez-vous afin que nous puissions aller renvoyer le roi du royaume d'Amézé. Finalement, le jour du jugement est arrivé. Il n'y aura rien de bon dans les futurs. Non, pas encore. Non, pas encore un autre malheur. Non, pas notre roi. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui arrive au palais? D'abord, c'était la princesse qui a donné naissance à un pot de sang. Maintenant, ces malheurs changent de camp pour tuer le roi. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des abeilles ordinaires. Ça doit être de la magie. Pour que les abeilles puissent tuer le roi de ces royaumes, ça doit vraiment être spirituel. Je crois que je ne suis plus confortable ici. Je ne saurais plus rester ici. Je dois rentrer chez mon père. Attends, je dois rentrer. Attends, Alison. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Tu essaies de dire que tu veux quitter ces palais sans la permission de la reine? Je ne peux pas risquer ma vie. Je ne veux plus rester ici. Hey! Un serpent! Un serpent! Ekukwe kenengo, ah, obungu. Eze wanye kenengo, ah, obungu. Tibiara de kwamba, ah, obungu. Tibiara de kwamba, ah, obungu. Oke zala no mwo, ah, obungu. Oke zala nyana mwo, ah, obungu. Obungu kanga kadulu, ah, obungu. Oke ni kanga kadulu, ah, obungu. Ezewan, la femme chérie de Dieu. Tu es venu sur notre terre quand c'est incontestable que tu ne visites pas dans des moments pareils. Pourquoi es-tu venu, Ezewan?
Tu es venu, dis-nous pourquoi tu es là. Es-tu venu pour consoler nos cœurs attristés? Es-tu venu pour pleurer avec nous? Es-tu venu pour nous dire que la mort de notre feu roi est un bon débarras? Parle-nous. Notre peuple traverse des moments de tourment. Il y a trop de calamités. Ezewaye, nous sommes confrontés à la morosité et au désespoir. Parle-nous. Dis-nous quelque chose. Dis-nous quelque chose, la femme chérie de Dieu. Mon grand homme. Je vous salue, père. Salut à toi, mon bon fils. Ikena, tu es le bienvenu. Merci, père. Apporte le bain. Tu es le bienvenu. Merci, père. Ça fait longtemps. Oui, père. Je suis allé où j'habitais dans mon enfance. Et tu sais que c'est très loin. Ouais. Père, tu avais raison. Nous avons perdu quelqu'un d'important. J'ai appris ça. Mon gentilhomme, tu l'avais vu premièrement sur toute cette terre. Tu es la seule personne qui l'a vu. Et tu vois toujours l'avenir de notre terre. Et ça fait de toi un homme d'un grand potentiel. Je ne pense pas vraiment, père. Pas quand je n'ai pas la sagesse de comprendre cela. Je ne fais que voir, mais j'en suis vraiment désemparé. La mort du roi nous a vraiment déshonorés. Mais père, pourquoi les abeilles de la mort le visiteraient? Il y a quelque chose qui ne va pas, mon fils. Car les abeilles de la mort sont les messagers physiques des dieux. Elles symbolisent quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai entendu d'elles. C'était une seule fois qu'elles avaient visiter quand j'étais un jeune garçon. Donc, qu'est-ce que cela signifie, père? Ça veut dire que le roi a peut-être déraillé de ses voies d'une manière ou d'une autre. Et comme tu le sais, nous allons bientôt avoir un autre roi. Attendons pour voir ce qui arrivera. Et on commencera par là. Père, j'ai apporté quelque chose pour toi.
Mon gentilhomme, tu apportes toujours quelque chose pour moi. Mes camarades anciens, c'est malheureux que notre roi n'est plus. Sa mort a rempli nos cœurs d'amertume. Plus précisément, la famille royale. Mais nous devons comprendre que d'une manière ou d'une autre, la vie nous a tous lancé des coups durs. Le sort a toujours une histoire tragique pour tout homme vivant. Mais de mon père, j'ai appris que dans toutes circonstances qui semblent nous abattre, la seule option est une voie de sortie. Alors aujourd'hui, voici ici pour décider de l'avenir de notre royaume. Prince Akobike accepte notre sympathie. Que l'âme de ton père repose dans les seins de nos ancêtres. Clairement, très bientôt, tu vas prendre ses responsabilités. Ses responsabilités royales que ton père a laissées. Alors, nous sommes ici pour savoir comment tu es préparé pour prendre la relève. Les anciens, je vous salue une fois de plus. Nous saluons aussi. Prince. Comme vous le savez tous, les dieux m'ont déjà préparé pour ce grand jour. Une minute, mon prince. Je ne suis pas sûr que vous ayez compris ce que Bekwa vraiment voulait dire. Nous voulons que vous vous rappeliez de quelle manière votre père est mort. Il a été visité par des abeilles mystiques. Et nous savons tous ce que cela signifie. Nous sommes curieux de savoir comment vous vous sentez par rapport à cette tragédie, sachant que vous serez notre prochain roi. Mes anciens, c'est vrai que la façon dont mon père est décédé était effrayante et tragique. Et surtout à moi, pour donc accéder à ce trône. Mais la question est celle-ci. Qui d'autre dans ce très grand royaume a de bonnes intentions à devenir roi de ce royaume? Absolument personne. Alors, mort effrayante ou non, je finirai toujours par être roi. Alors, ce que j'attends de vous, mes anciens, c'est de commencer à m'apprendre à comment devenir le prochain roi. Ça veut dire comment je veux prendre avec mes mains ce sceptre d'honneur. Et vous, cher Onou, vous placerez la couronne sur ma tête et vous allez me proclamer comme le prochain roi de la terre d'Amézé. Et je comprends que la misère est en train de frapper notre royaume. Mais je ne permettrai pas que la peur me fasse écrouler. Parce que le futur de tout le peuple du royaume d'Amézé est maintenant entre mes mains.
I know this life is something I don't really understand. Matches over, I know the sun will shine, the rain will wash my tears away. Est-ce que tu prends le temps de manger, mère? Je ne t'ai jamais vu mettre quelque chose sur la dent. Est-ce qu'hier tu avais fait un rêve? Oui, mère. Comment tu le sais? De quoi s'agissait-il? Je me suis vue dans une terre inconnue et j'ai trouvé un boss dans une cave. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu un staff dedans. Et c'était très joli. Je peux voir que ce rêve ne te dit rien du tout. Tu es toujours ignorante de qui tu es. Qu'est-ce que ça veut dire, mère? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu vis seule dans cette forêt maléfique? De quoi parles-tu, mère? Ici, c'est ma maison. J'ai toujours été ici depuis. Il existe une autre place. Tu viens d'un autre endroit. Et c'est où, mère? Cet endroit s'appelle le royaume d'Amézée.
Essayons de mettre chaque couleur ensemble. D'accord, c'est pas grave. Mes salutations, ma reine. Mes salutations, ma reine. J'espère que vous avez le programme de demain. Oui, votre majesté. Toutes les reines de différentes communautés viendront ici pour une réunion très importante demain. Vous devez tout arranger. Je vous vois avec mes colliers. Vous ne l'avez pas encore terminé? Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous donne la journée d'aujourd'hui. Terminez-le, juste aujourd'hui. J'ai terminé avec vous. D'accord, Votre Majesté. Toi? Votre Majesté. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que tu vas bien? Oui, Votre Majesté, je vais bien. Es-tu sûre? Oui, ma reine. J'espère que tu ne me mens pas. Je ne vous mens pas, je vais bien, Votre Majesté. Merci. C'est toujours comme ça. Oui. J'espère que oui, tu vas il est bien. Un jeune homme déjà. Vas-y, parle-moi. Bonjour, cher père. Bonjour, chère mère. Bonjour, fils. Mon cher fils, père, tu es le bienvenu. Assieds-toi. Vous avez besoin de moi? Oui, j'avais besoin de toi. C'est vrai. J'ai juste besoin d'avoir une toute petite idée. De toi qui commence à me rendre un petit peu curieux. Une petite idée de moi? Concernant quoi, papa? Ta mère ici présente m'a dit que tu as été fiancé. Oh, que ça? Exact, je voulais juste savoir pourquoi tu ne l'as dit qu'à ta mère, plutôt que de me le dire en premier. Qu'est-ce qu'il y a? Mes salutations, Votre Majesté. Je suis venue juste vous dire que je vais rentrer voir ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause d'elle que tu veux rentrer à la maison? Ou bien c'est juste que tu veux rentrer toi-même? Oui, Votre Majesté. Ça me tient tellement à cœur. C'est à propos de ce festival qui aura lieu d'ici peu. Oh bien. Je suis désolée de te décevoir. Rentre dans votre chambre et je vais te rejoindre pour que tu me dises tout ce qui te dérange. Alors, vas-y. Merci, ma reine. Es-tu prête à me parler maintenant? Votre Majesté, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne sais pas comment les dire. Parle maintenant. Je n'ai pas assez de temps. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Votre Majesté, j'étais déflorée. Quoi? Comment pouvais-tu permettre tel genre de choses? Ce n'est pas moi. C'est le prince. Le prince? Comment peux-tu citer le nom du prince dans tel genre de choses? Pourquoi, hein? Votre Majesté, ce n'est pas une accusation, c'est la vérité. Depuis un bon bout de temps, le prince m'est forcé de coucher avec lui. Je refusais, mais une fois, il a réussi à m'avoir et à abuser de moi. Et tu penses que tout le monde sera d'accord avec ça? Je vous dis la vérité. Mon ami, la ferme! Comment oses-tu? Toi! Pourquoi
Pourquoi tu ne me l'avais pas dit depuis le début? C'est... La ferme! Pourquoi avais-tu pris tout ce temps pour me donner cette information pendant que tu savais que je posais la question qu'est-ce qui n'allait pas avec toi? Parce que tu savais que tu allais mentir. Et tu penses que tu peux m'emballer dans ton mensonge? Hey! Regarde-moi cette espèce d'imbécile. Si tu as envie de devenir royal, ce n'est pas une bonne idée pour toi. Alors laisse-moi te dire que personne, je dis même personne dans ce royaume, ne pourra croire à ce que tu racontes. Et tu connais bien les conséquences. N'ose plus jamais citer le nom de mon fils dans cette affaire. Parce que mon fils n'a pas le même niveau que toi. Il est le futur roi de ce royaume. Ce n'était pas dans mes intentions, votre majesté. Oh, la ferme! Va là-bas. Emballe tes affaires. Et va chez ta mère comme tu l'avais demandé. Et mon ami, écoute-moi très bien. Je ne veux plus voir ton sale visage dans cette parcelle. M'as-tu entendu? Allez, votre dégage. Majesté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre... Ognie! Mais qui est là? C'est moi, maman. Hey! Ma fille! Maman. Oh, sois la bienvenue. Merci. Hey. Comment tu vas? Je vais bien, ma fille. Hein? Pourquoi est-ce que tu es revenue comme ça? Mm-hmm. J'espère que tout va bien. Tout va bien, maman. Je souhaitais venir rester avec toi ici pendant que le festival des Igbo se prépare. Oh, moi, ma fille, tu as toujours porté ta mère dans le cœur. Hey, j'apprécie. Merci, chérie, maman. Merci. Gwa, viens. Viens m'aider à la cuisine, on y va. D'accord. Bonjour, ma très chère mère. Bonjour, mon fils. Je crois qu'il n'y a pas de problème. La servante Nem a fait une accusation sur toi. C'est cette jeune fille. Qu'est-ce qu'elle est venue vous raconter encore? Elle a dit que tu prends l'avantage sur elle, ça fait beaucoup de jours maintenant. Et ce jour-là, tu l'avais enfermée dans ta chambre pour coucher avec elle. Quoi? C'est tout ce qu'elle a à dire? C'est vraiment ce que cette jeune fille a raconté? Si elle l'a dit. Elle a dit que tu l'as dévergée. Tu l'as déflorée. Oh, tu sais quoi, fils? Pourquoi peut-elle mentir sur toi? Le prince de cette terre, est-ce possible? Ça, c'est un mensonge, maman. Je ne l'ai jamais fait. Elle n'est même pas la femme de mes rêves. Hein? Regarde-moi, le seul prince de ce royaume. Moi vraiment, qui suis prêt à bâtir un merveilleux temple pour mon royaume. Je ne peux pas faire une telle chose en tout cas. D'accord. Fais attention, fils. Parce que tu sais que ce genre d'accusation peut jouer avec ton honneur. Je ne veux pas de ce genre de choses. Fais beaucoup attention, s'il te plaît. D'accord, maman. Au revoir. Sois un bon garçon, ok? Oui, je le serai, maman. Odogu. Ochendu. Il était une fois. Un ami a demandé à son ami. Quel est le vrai caractère d'un homme? Et son ami a répondu en disant. Le vrai caractère d'un homme se reflète dans ce qu'il fait. Quand il sait quelque chose. Personne ne le regarde. Ouais. Ah. Mes salutations à vous, grand sage de ce royaume. Ah ah. Mon prince, bienvenue. Akubi, qui est le vrai fils de son père. Assieds-toi, mon prince. Bienvenue. Assieds-toi. Bienvenue. Joignez-nous dans notre dégustation. Ne vous inquiétez pas, Ochendo. J'ai des problèmes plus présents maintenant.
des problèmes plus pressants. J'espère que tout va bien. Plus rien ne va bien. C'est à propos de la jeune fille, Ourenée. Celle dont j'ai l'habitude de vous parler. Ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est allée dire à ma mère tout ce que je fais sur elle. Elle a dit à ma mère que je lui ai forcé de dormir dans mon lit et de coucher avec moi. Aïe! Oh, et c'est ça qui vous inquiète? Ah, ça, ce n'est pas un problème. Ochendo, tu connais toutes les conséquences lorsque tu deviens une jeune fille sur ces terres. Là, c'est quand la vraie justice intervient, ça. La vraie justice sur une terre, c'est quand des gens peuvent être manipulés par des hommes très puissants, comme moi-même d'ailleurs. Akubike, as-tu oublié que je suis en charge de ce problème jusqu'à sa fin? Mon ami, arrête de te déranger pour ça. Mets-toi à l'aise. Regarde. La seule chose que tu peux faire, c'est continue de nier la vérité. C'est ça la clé. Tu as entendu? Continue à nier. Rien ne t'arrivera. C'est ça le secret. C'est ce que nous faisons. Toi, continue seulement à nier. C'est ça. Mets-toi à l'aise. Hey! Voici ma belle reine. Je cherchais cette fille depuis. C'est une bonne occasion pour moi. Hey, comment tu vas? Je vais bien, salutations. Ouais, salut ma beauté. Mon jus de tomates. Mon rayon solaire. Papa Mtokirim, je te cherchais partout. Hein? Je suis content. Maintenant, te voilà et me voici. Heureux de te voir. Je veux que tu fasses partie de ma vie et que moi aussi je fasse partie de ta vie. Hein? Si j'entre dans ta vie va changer. Hein? On a le seul Odogu dans cette communauté. Je suis un grand chef. J'ai les moyens et je peux te donner tout ce que tu veux. Hein? Ok, écoute, juste dis ton prix. Donne-moi ta condition, puis c'est tout. Hein? Et tu verras que tout changera dans ta vie. Ok, ok. Tu veux savoir ce que je veux? Ouais. Tu veux vraiment savoir ce que je veux? Dis-le seulement. Ok. Je veux que tu puisses disparaître de ma vie, hein? De un. De deux, que tu ne puisses plus jamais me stopper en cours de route pour me raconter des bêtises. C'est ça. Merci. Comment peux-tu me dire de quitter ta vie? C'est pas possible. Hein? Je veux que tu viennes dans ma vie. Écoute, je changerai ta vie. Hein? C'est comme si tu ne comprends pas ce que je t'ai dit. Je ne veux pas de toi. Je n'ai pas besoin de toi et je ne veux rien provenant de toi. C'est difficile pour toi de comprendre. Tu es assez vieux, tu peux être mon père. Juste, regarde-moi, non? Mais comment est-ce que je pourrais avoir une relation avec toi? C'est impossible. Oh, s'il te plaît, arrête-moi cette bêtise et que ça ne se répète plus. La prochaine fois que tu essaieras de faire ça, je ne ferai pas seulement que t'insulter, je crierai si haut que tout le monde l'apprenne. Mais c'est juste, c'est quoi cette bêtise? Quelle poisse! Ne t'en fais pas comme ça. Tu es vraiment éhonté. Hein? Qu'est-ce que c'est? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Non! Arrêtez! Arrêtez! Dieu va te punir! Tu es maudit! Lâchez-moi! Tu crois que quelqu'un t'entend, hein? Allez, emmène-la là-bas. Hey, arrête de bouger. Lâchez-moi. Non. Non. Attends. Non. Ne laisse pas ici. Là-bas, non. Là-bas. Ici, c'est toi, je vais. Non. Arrête idiot. Ce que tu fais. Arrête de pleurer inutilement. Allez, ouvre tes jambes. Pitié. Pitié. Non. Hey, bon, reste là. Non. Calme-toi. Ferme ta bouche. Arrête. Ferme ta bouche. Non. Pitié. Non.
attendons-les un peu. Mais il doit quand même se dépêcher là. Vraiment, il prend beaucoup de temps. Faut faire vite, très vite. Il se dépêche. Y a pas de temps. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment? Il doit vraiment faire vite. On doit faire vite. Y a pas le temps, y a pas le temps. C'est comment, boss? Maman avec sa cuisine. Non, wow. Maman, je constate que le tien pique très fort. C'est vrai, ma fille. Tu sais, j'avais remarqué que le produit pour faire cet isou, c'est devenu rare. C'est pour ça que je m'étais décidée d'aller un peu plus loin dans la forêt pour en trouver. Tout ça pour toi. Maman, j'ai trop pris beaucoup de tresses comme ça. Juste pour moi. Oui, pour toi. Oui, tu as été choisie parmi les filles qui vont participer au festival des Kwesi. Oui, c'est pour ça que je veux que tu puisses bien t'amuser au festival. Merci beaucoup, maman. J'apprécie. Je t'en prie. Où René? Depuis que tu es revenue, j'ai remarqué que tu n'es pas heureuse. Et je suis ta mère. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, maman, n'est-ce pas que je suis en forme? Je veux bien. C'est juste que je me sens un peu nerveuse quand je pense à ces festivals. Hein? Vous voyez un peu? Nerveuse? Mais pourquoi serais-tu nerveuse à propos de ces festivals? Sincèrement, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis nerveuse. Tout ce que je sais, que ça me nerve. Je veux que tu sois heureuse. Je suis là pour toi. Mmh. Oh, ma fille. I know this life is something I don't really understand. Matches of love, a I know the sun will shine the rain will wash my tears away. Oh, mama. Ça te va vraiment bien. Oh. Allez, tourne-toi, ma fille. Parfait. Allez, tourne-toi derrière, ma fille. À toi un instant, tourne encore devant. Oui. Hein? Regarde comment tu es jolie. Hey!
Aujourd'hui, votre pureté, votre innocence
seront testés par les dieux et l'homme. Aujourd'hui, vous irez dans l'arène de la pureté et toucherez la souche de l'innocence pour prouver que vous êtes digne pour entreprendre avec moi le voyage important qui nous attend. Aujourd'hui, vous allez vous unir au Dieu de pureté. Mais souvenez-vous, seuls les purs, seuls les innocentes peuvent toucher la souche de l'innocence. Tout ce qui sera contraire attirera des conséquences graves et désastreuses. Vous passerez l'une après l'autre et pour tester votre pureté, vous êtes appelé à toucher la souche des dieux. Que les dieux vous jugent. Aru. Abomination, viens, sors. Vous osez soumettre ce sanctuaire au ridicule. Vous saviez que vous étiez indigne. Pourtant, vous avez eu le courage de toucher la souche d'innocence. Vous deux, vous êtes enceinte. Et vous avez l'audace de venir dans ce sanctuaire. Le sanctuaire du grand Ozobiwe. Vous ferez face à toutes les conséquences qui en découlent. Fiston. Papa. J'ai eu un rapport dans ce palais il y a quelques moments de cela. Que une servante a été interrompue en plein processus de... des rituels. Et que... tu es celui qui a dévirgé cette fille. Est-ce vrai? C'est vraiment un mensonge, papa. Je n'ai rien fait de pareil à personne.
toute jeune fille qui cherche à salir mon nom dans de pareilles bêtises me racontera sur son chemin. Fiston, tu sais que je ne pratique pas l'injustice. Et si tu continues à nier ceci, tu seras emmené dans la chambre de justice pour jurer sur ta vie. Et tu sais que la chambre de justice ne tolère jamais aucun mensonge. Oui. Oui, je suis prêt. Je suis prêt à tout faire pour laver mon nom dans toute cette histoire. Ta vie. Ta vie, mon fils, tu n'en as qu'une. Aname mbi poku ariala na di mami ana. Prince, avancez. Le prince, jurez sur votre vie avant que vous n'entriez dans la chambre. Mais souvenez-vous, personne n'entre dans la chambre des justices avec les mains impures. Si vous allez là-bas avec les mains impures, vous n'en sortirez pas en vie. Je le jure, devant vous tous qui êtes ici présents, que si réellement je suis le responsable de toutes ces accusations, que je ne sorte pas de là en vie, tel que je vais m'introduire dans la chambre de justice. Entrez. Mon prince, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est le prince qui m'a défloré. C'est lui qui m'a déversé. Non, c'est pas vrai. Donc tu as accusé faussement notre prince. Oh, non, c'est bien lui, c'est bien lui. Ne nous dis pas ça. N'as-tu pas vu qu'il est sorti vivant? J'ai dit la vérité, c'est le prince. C'est lui qui a abusé de moi. Il m'a défloré. Oui, c'est lui, le prince. Tu as menti dans son compte. Votre Majesté, croyez-moi, je ne dis que la vérité. Je n'ai qu'une parole. C'est le prince. La ferme. La ferme immédiatement. Je le savais. Tu t'es toi-même attiré la tribulation, jeune fille. Mmh. Donc, sur cet acte, la tradition votre doit jouer son rôle. Garde! S'il vous plaît! Faites-moi emmenez justice. Cette fille. Je savais que c'est une menteuse, cette fille. Huh. Thank you.
Nous sommes arrivés à la frontière entre Amézé et la forêt maléfique. Nous sommes venus pour livrer une de nos filles ou renées dont les actes de sacrilège l'a rendue indigne d'être appelée la nôtre. Aujourd'hui, nous allons jeter Ourenne dans la forêt maléfique. Maman, 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 maman. Aujourd'hui, nous renouvelons notre vœu sacré. Aoubala, Aoudoumédé Amézé, à ne supporter aucun mal, à ne supporter aucun coupable de nos cultures et traditions. Et à supplier Oudoumbédje, Oubala, le grand Dieu d'Amézé, à prendre soin de nous et à nous laisser vivre. Au mauvais, le mal retournera. Et pour les hommes bons, le bien demeurera. Maman, maman, aidez-moi, je vous en prie. Non, aidez-moi, Hassan, je vous en prie. Tiens, ma fille, je vous en prie. Laissez-la. Elle est tout ce que j'ai, aidez-moi. Ourenne, pitié, aidez-moi. Détache son visage. Je vous en prie. Aidez-moi, maman. Pousse-la à l'intérieur. Maman, 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 maman. Tu vas aller dans la forêt maléfique. Tu continueras à y errer jusqu'à ce que le mal te trouve et te dévore. Car le mal retournera aux méchants et le bonheur sera le partage des bons. Va! Où est-elle? Ma fille! Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-la partir. C'est trop tard pour elle. Regarde-moi. Je te parle. Ourenne. Vas-y. Ma chérie. Vas-y. Ourenne. Maman t'appelle. Aisez-moi, je vous en prie. Pas ça. Qu'avez-vous fait à ma fille? Qu'avez-vous fait à ma fille? Non, non, non. Pitié. Laissez-la. Pitié. Ourenne. Aisez-moi, je t'en prie. Aisez-moi, pitié, pitié, pitié. Écoutez-moi, les anciens. Laissez partir ma fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vais partir avec ma fille. Non. J'en fais plus.
Odogu. Odogu. On est les meilleurs. Oh, je t'avais dit que ça allait marcher, non? Tu sais, même le cola ne comprend pas le français. Tu as raison. Mais... Tu as vraiment raison. Odogu. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Hein? C'est ce que je vois aussi. On dirait que c'est Noël. Oh. D'accord. Hey, on sort quoi? Hein? Au deux goûts. Encore d'autres articles. Hey. Hein? Vraiment? Odogo, regarde ce qui se passe. Oh. Là, il n'y a plus à boire. Non, je suis la mort si je vais voir. Qu'est-ce qui se passe, juste? Je suis confus, oh. Attendons pour voir, non. Odogo. Non, on est là, non. On est là, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Continue seulement à boire. Hey. Ah! C'est qui ça? N'est-ce pas le prince? Tu as raison, c'est bien lui. Une chèvre. Odogu, c'est le prince, oh! Eh, c'est le prince, non? C'est lui! Salutations à vous, grand homme de notre royaume. Mon prince! Bienvenue! Bienvenue! Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hein? Mon prince! Tu as apporté toutes ces choses pour moi. C'est un acte très, très généreux. J'apprécie sincèrement. Vous savez, je ne devrais que vous remercier, Uchendo, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous dis que merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si ce n'était pas votre aide. Je suis vraiment très flatté et merci beaucoup, Uchendo. J'ai vraiment apprécié. Mon prince, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, je vous en prie, hein? Je vous en prie. Par ailleurs, comment est-ce que tu as fait ça? Parce que aucune mère impure n'entre dans cette chambre de justice et sort vivante. Bien. Odogu. Tu l'as fait pour le prince de notre terre. Odogu. Amo bakara ama no domiri. No domiri aba. Ba ba ba. No domiri. Bon, j'ai fait ça pour le prince. Tu comprends ça? Ouais. Parce que aucune main impure n'entre dans la chambre de justice ouais. Et en sort vivant. Bien sûr. Mais j'avais couvert le prince d'une force là. Avant qu'il n'arrive tous. J'avais couvert ses traces. Osando. Oba karabo no dumiri. Oba. Oba. Baba. Udumiri. Oboso. Tabara. Tem. Udumiri. Oba. Tabara. Tem. Pokosa. Dabara. Poso. I. Dabara. Bowa. Dabara. Nawa. Dabara. Bowa. Abare. Hotsendo. Obakawem. Dans cette maison, hein? Ikenna! Hey! Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce garçon vole encore mes viandes? Hein? Mais où est-ce qu'il est parti avec, oh? Ikenna!
Ok. Tu ne veux pas me répondre, hein? Tu ne veux pas me répondre, Ikena? D'accord. Tu viendras me trouver dans cette maison. Si tu finis, tu me trouveras dans cette maison. En ce moment-là, si tu n'es pas fort, je te tuerai de mes propres mains. Hey, qu'est-ce que je veux faire avec ce garçon? Qu'est-ce que je veux faire avec lui? Hein? Oh mon Dieu. Il a tout pris. Il a tout pris. Oh! Hein? Mes salutations, père. Oh, mon gentil homme, tu es là. Oui, père. Père, j'ai acheté quelque chose pour toi. Oh, de quoi s'agit-il? De la viande rôtie. Oh, ce garçon. C'est ton préféré, n'est-ce pas? Tu n'as jamais cessé d'avoir compassion sur moi. Tu es mon ami, père. Ouais, mon gentil homme. Dans le cœur d'un bon ami se trouve la vérité qui ne fait jamais défaut et l'amour qui ne meurt jamais. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie vraiment ça, mon gentil homme. Tu peux t'asseoir. Je vais te raconter une histoire. Une fois jadis, longue vie à vous, ma reine. Vous êtes tout au courant de ce qui est arrivé à Ourona. Oui, votre majesté. Croyez-vous qu'elle le mérite? Oui, votre majesté. Bien sûr qu'elle le mérite. Ourona a monté une histoire contre mon fils juste parce qu'elle voulait rester dans la maison royale. Mais ce qui est bien, elle a vraiment échoué. Et à l'instant où nous parlons, elle est là-bas dans la forêt maudite, en train de souffrir avec sa vie. Je crois qu'elle l'a mérité et ça va servir d'exemple à d'autres filles qui auront l'intention de devenir comme où on est. La royauté n'est pas une chose à manipuler. La royauté est un prix donné par les dieux. C'est une destinée. Si vous pensez que vous pouvez manipuler la royauté, voilà comment celle-là est en train de souffrir. La royauté est divine. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors, vous devez faire attention de ce que vous pensez dans vos têtes. Ça peut détruire votre destinée. J'espère que vous m'aviez compris. Merci, Votre Majesté. Puis-je poser une question, père? Vas-y, mon fils. Comment se sent-on qu'on est aveugle? Mon fils, la chose la plus terrible qui puisse arriver à l'homme, c'est l'aveuglement. Tu vois, mes yeux sont ouverts. Mais tout ce que je peux voir, c'est une grosse obscurité. Tu ne peux pas imaginer ce que je ressens. Alors, comment te sens-tu? Ça me fait sentir comme un homme qui est au milieu d'un cauchemar qui veut le tourmenter toute sa vie. Et pourquoi tu n'es pas encore marié? J'étais marié. Mais ma femme est morte. Sa mort, en toute franchise, m'a tout pris, y compris mon cœur. Je l'ai tant aimé. Mais tu ne la vois pas, père.
Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Sa belle voix mélodieuse était un de ses talents. Quand elle chante, je me sens épanoui. Soudainement, elle devint la seule femme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Mais elle mourut et j'étais dévasté et mon cœur est brisé. Ah!
Hey! L'obscurité tombée sur la terre en plein jour. Hey! Il y a quelque chose qui ne va pas. Hey! Odumeje Abese, qu'est-ce qui se passe? Obala! Asu? Les yeux des dieux, sois le bienvenu. Igwe Damese, je te salue. Les anciens de notre terre, je vous salue tous. Bienvenue. Bienvenue, Wezo. Igwe, les dieux ne m'ont pas encore révélé quoi que ce soit. Tu veux dire que les dieux n'ont rien fait jusque-là? Le sage, selon ta sagesse en tant que prêtre, n'as-tu aucun indice de cet événement soudain que nous venons de vivre? Ibekwe, je suis Ibekwe. Le soudain grondement de tonnerre et les ténèbres apparaissant ensemble au beau milieu du jour est un mauvais signe. Et selon le rapport de Igwe, si cette même obscurité et ce même tonnerre se heurtant l'un l'autre l'ont presque ôté du trône de ses pères, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Igwe Damese, il me paraît, moi, que quelque chose, quelque part, met en question ton droit de t'asseoir sur ce trône. Les yeux des dieux, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que j'ai commis une erreur quelque part ou quelque chose comme ça? C'est ça ce que nous devons découvrir. Alors, c'était un rêve. Tu fais beaucoup de rêves, mon gentil homme. Oui, père. Mais cette fois-ci, ça m'a vraiment l'air différent. Tu as dit que tu luttais avec tes semblables. Oui, père.
lutter dans le rêve est un signe d'un obstacle. Tu dois te préparer, mon gentil homme. Peut-être ton avenir a un sentier rugueux. Chaque fois que tu fais un tel rêve, mon gentil homme, s'il te plaît, n'hésite pas à le partager avec moi. Oui, père. Aussi sages que sont les hommes, mais personne ne peut dire ou prédire les lendemains. Les hommes ont été bénis par la sagesse, mais ils agissent avec ignorance. Mais pourquoi cela? Maintenant, tu sais que tu viens d'un endroit bien précis. Mais qu'en est-il du rêve que je fais? Qu'est-ce que cela veut dire? La chose que tu avais trouvée dans ce coffre appartient à la royauté, dont la famille de ton père, on l'appelle le sceptre royal. C'est un objet très important pour le royaume d'Amézé. Sans cette chose, la terre d'Amézé n'aura pas de roi. Alors, ça veut dire que j'ai quelque chose à voir avec ces bâtons d'honneur. Je veux dire, pourquoi je le vois dans mon rêve? Je ne sais pas. Peut-être que le destin a tracé quelque chose pour toi. Ou peut-être que c'est la raison pour laquelle tu es là. Je ne comprends pas, mère. Moi aussi, je ne comprends pas. Mais tu dois les découvrir. Tu dois te préparer pour le voyage. Un très long voyage. Tu dois partir avant qu'il ne soit tard.
les anciens du royaume d'Amézé. Nous avons conclu tous les rituels nécessaires avec succès. Ce qui reste maintenant, c'est notre visite à la chambre secrète où se trouve le grand sceptre d'honneur. La chambre secrète que nos ancêtres ont toujours vénérée. Le prince héritier du royaume d'Amézé. Oui, homme sage. Tu n'es pas encore le Igwe. Tu es toujours le prince héritier. Vous avez raison. Bien. Homme sage de ce royaume. Comme le dit la règle, le pouvoir revient au fils du roi. Écoute, une fois que ce sceptre est mis dans ta main, alors tu deviendras le nouveau roi du royaume d'Amézé. Il sait. Les anciens du royaume d'Amézé. Prince héritier d'Amézé. Oui, homme sage. Nous allons maintenant vaquer à la tâche qui nous attend. Avançons maintenant vers la chambre secrète. Allons-y. Amaze, Chendo. How would it wow? Ozo biwe. Anu kraka. Oh, Chendo. Anu kankam. Anu boyoku neju onu. Sigidere ukumo. Yo ye. Nudum mne amu ogba. Mgba. Tawara. Nudum mne magba. Tawara. Oh, Chendo. Peuple d'Amézé, je vous salue tous. Oh, Chendo. Le peuple du royaume d'Amézé est venu pour prendre cette chose que toi seul as le droit de conserver. Alors, passons à l'affaire du jour. Osobi, ouais. Okumere. Ce que tu viens de dire est bien vrai. Mmh.
sceptre a disparu. Hein? Quoi? Hein? Hey. Le sceptre d'honneur n'est pas là. Non, c'est pas possible. C'est une abomination. Qu'est-ce que ça veut dire, le sage? Cela n'est jamais arrivé dans ce royaume. Ça veut dire simplement que quelque chose de très sérieux se passe. Ouais. Parce que sans ce sceptre d'honneur, nous ne pouvons pas couronner un nouveau roi pour Amézé. Étant donné que notre royaume ne peut pas rester sans roi, je dois aller consulter les dieux immédiatement. Odumeje Nogbala, les grands dieux du royaume d'Amézé, votre serviteur plus humble et fidèle est venu devant vous. Je suis venu pour chercher votre face par rapport aux choses mystérieuses qui se passent dans notre royaume. Le grand sceptre d'honneur, le grand sceptre d'honneur de notre peuple a disparu. Et je n'ai rien à dire au peuple. Les grands dieux de notre terre, votre peuple est dans une grande amertume. Leurs cœurs sont brisés à cause de cette expérience amère. Et je n'ai aucune option que de venir devant vous pour chercher votre sagesse incomparable. Cherchez votre sagesse par rapport à ces circonstances désastreuses que nous vivons dans notre terre. Nous voulons savoir, les grands dieux de notre terre, dites-nous, révèle-nous si notre royaume que nous chérissons tant est condamné au déclin. Et de plus, les dieux de notre terre, révélez-moi ce qui est arrivé à notre grand sceptre d'honneur. Parce qu'une telle chose n'est jamais arrivée dans l'histoire de notre royaume. Ogrozim Nakabawo, révélez-moi si notre royaume d'Amézé, si cher, est condamné à tomber dans la dérive. Cher Dieu de nos ancêtres, montrez-moi ce qui est arrivé à notre grand sceptre d'honneur, car sans ça, votre peuple ne peut pas avoir un roi. Odumeje Nogbala. Salut, mère. Salut. J'ai pu voir que tu as l'air prête. Je suis prête, mère.
Tu ressembles à une personne qui part à la chasse pour tuer les animaux. Oui, mère. Tu as dit que le voyage était long, alors je devais me préparer en conséquence. C'est ça. Mais je ne crois pas que tu auras besoin de toutes ces histoires. Débarrasse-toi de ça. Mère, la terre où je me dirige m'est étrangère. Alors, je vais anticiper les obstacles en cours de route. La terre auquel tu es sur le point de rentrer est là où le mal fait terreur. Tes armes n'auront aucun effet sur eux. Ces gens sont anti-armes. Tes armes ne les feront rien. Si tu veux leur défier, tu dois agir avec humilité. L'humilité? Oui, humilité. Débarrasse-toi de toutes ces choses. Et prends ça. Tout ce dont tu auras besoin se trouve dans ces sacs. Les objets dans ces sacs sont comme des offrandes qui vont te permettre de payer le passage. Tu peux partir maintenant parce que tu as un long voyage et ta mission ne fait que commencer. Pars. Thank you.
Ah, mon prince. Mais pourquoi ne pas te reposer un tout petit peu? Veux-tu te tuer à cause de cette affaire royale? Penses-tu que c'est ce qui peut sacrifier ta vie? Écoute-moi très bien, mon mari. Je sais combien est-ce que cette affaire est très importante pour toi et aussi pour tout ce royaume. Mais tu ne peux pas te tuer. Et nous savons très bien qu'une terre ne peut pas manquer un roi. C'est vrai que le sceptre qui confirmait ta royauté est bel et bien perdu. Mais mon amour, ce n'est pas de ta faute. Personne dans ce royaume ne sait ce qui se passe ou pourquoi est-ce que le sceptre est perdu. Nous devons juste espérer que le grand prêtre vienne avec une bonne nouvelle. Mon amour, ça suffit. Tu ne peux pas continuer à te troubler ainsi. Tu n'as aucune faute dans cette affaire. S'il te plaît, allons dormir. Il s'est fait tard. T'inquiète. Crois-moi, très bientôt cette affaire va prendre fin. Ok? Tu seras bien. Allons dormir.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.